Oh yeah, so ils ont les comptes caloriques pour savoir si on va être gros. So it's to know if we are getting fat. Yeah. They're all good. I mean, it just depends what. J'ai pris celui-là, c'est le queso burger. Vous avez du fromage queso, c'est ce qu'ils mettent sur les nachos. À l'intérieur, t'as des tortillas, comme des petits chips. Du piment, des tomates, oignons rouges, lettuce et de la mayo avec des fruits. Davis, what did you take? Strawberry shake. Strawberry shake? Yeah. For appetizer? For my drink with my meal. Donc il a pris un milkshake, steak un milkshake, pour boire avec son repas. That's how you get the gains. That's how you get gains. Donc comme ça, il va être musclé comme ça avec ça. You get muscle with that. You get big. Yeah. I'm working on the world premiere. And I can see the world from here. J'ai pris ça, vous avez des petits morceaux de tortilla dedans. Donc c'est un peu croustillant, du piment, des oignons rouges, c'est super bon. Et de la sauce queso. J'ai mis de la barbecue dessus. C'est trop bon. Perfect. Deuxième repas du site. On est dans un restaurant brésilien Bossa Nova sur Sunset Boulevard. On commence avec le petit apéritif. Je vous montre ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est, tu m'as dit déjà? C'est du manioc. Manioc frit. Ok, donc ça c'est du manioc frit avec une petite sauce. Ok, le plat est arrivé, donc j'ai pris un steak qui cuise sur le feu. On a le droit à trois sides, donc on a des bananes plantain, des frites, des haricots rouges avec une petite salade. La viande est super bonne, elle est bien tendre, un bon goût de grillé. Les gars, c'était les bananes plantains, c'est les meilleures bananes plantains que j'ai mangées. J'ai mangé très peu de fois, mais c'est des amis à moi, donc c'était maison. C'est cher. Et là, les bananes plantains, j'en reprends là. C'est pour ça que j'ai pas tellement essayé là-bas. Elles sont super bonnes. Et what's up tout le monde? Donc là, on est dimanche matin, en direct de Downtown LA. Et on va en direction de Astro Donuts pour aller prendre un petit déjeuner. Donc bah comme son nom l'indique, ça sera pour manger des donuts. Et puis voilà quoi, à tout de suite. Donc j'ai choisi, j'ai du mal à choisir. J'ai pris un peanut butter avec, enfin recouvert de beurre de cacahuète avec à l'intérieur de la confiture de fraises. Et madame a pris un classique, un vanilla glaze. Donc bon, on va tester ça tout de suite. Pour l'instant, ça va, c'est plutôt bon. Je suis pas trop fan du beurre de cacahuète, mais la confiture de fraises, elle radoucit le tout. Donc je verrai si je suis pas écœuré à la fin du donut, mais pour l'instant ça va, je suis content. Et toi, c'est bon ou pas? Franchement, il est bien moelleux. T'es contente? Ouais. Eh ben écoutez, j'ai pas du tout été déçu, c'était super bon. J'ai adoré, moi qui n'aime pas le beurre de cacahuète, le mariage avec la confiture de fraises et le donut, c'était super bon. Et donc du coup, on a vu, mais on avait déjà vu en fait avant, qu'ils faisaient des sandwichs avec du poulet frit, mais le pain, c'est du donut en fait, c'est du donut frit si vous voulez, genre deux petits donuts ovales, et à l'intérieur, ils vous mettent le poulet frit avec la sauce, le fromage, etc.
Donc du coup on va revenir à midi pour tester ça. Et j'avais vu ça dans la vidéo de mon cher Florian quand il était venu ici, donc ça nous a donné envie de tester ça. Ok, donc on est retourné à Astrodonus après une petite balade. Donc moi j'ai pris le spicy chicken, j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Le concept c'est que c'est un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un, à la place du bun, c'est un donut. Et avec leur poulet frit, apparemment ils sont réputés aussi pour leur poulet frit. Donc bah, on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Allez. En fait, moi, j'ai pris le spicy et celui-là. Et celui-là, c'est avec un pain en fait de donuts. Et celui-là, non, mais j'avais pas compris. Et du coup, celui-là, en fait, il est bien meilleur, je trouve. Parce qu'il est plus moelleux que celui-là. Après, les deux restent très bons. Et puis, le poulet, il est vraiment moelleux. Mais celui-là, avec le pain là, comme ça, le donuts, il est vraiment au top. Sandwich terminé. Donc bah c'était très bon. C'est vrai que c'est un petit peu cher comme la petite Florian parce qu'on n'a pas d'accompagnement, pas de boisson. Et c'est 10, taxes comprises, c'est 10,90$ juste le sandwich qui est très savoureux. Ensuite quand il nous a parlé des buns, j'avais pas trop compris ce qu'il me racontait. Et du coup moi je voulais le fameux bun en fait en donuts à la place d'un classic bun. Et en fait il m'a recommandé de prendre un bun classique pour le spicy que j'ai pris. Et pour l'autre il a mis un donut strip. Et du coup le donut était, comme je vous l'ai dit avant, était meilleur. Donc c'est le petit bémol, mais je reviendrai en tout cas parce que c'était très bon. Si je suis dans le coin, que tu te balades dans le coin, tu peux même manger à emporter. Et je prendrai le savory donut pour le bun. Voilà. Et on se retrouve comme d'habitude pour un petit rituel chez In and Out. Et oui, seulement une heure après le poulet frit qu'on vient de manger. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a diminué maintenant notre petite meal à seulement 24 heures. Avant on était sur 48 heures, maintenant on est sur 24 heures. Et dans exactement 30 minutes, notre petite day se termine. Donc on se devait de terminer ça en beauté avec notre fameux In and Out, notre adoré In and Out. Voilà, on se dit à la semaine prochaine.